après toutes ces années de recherche, je tiens enfin l'instrument de ma vengeance. Désormais, plus rien ni personne ne pourra m'arrêter. Dikichu, le lait de Jirawa, c'est vraiment pas donné ici. Bah, ici au moins, personne ne vient nous embêter. Hé, hey, toi, chevalier! Hein? Je te défie en duel! Oh. En garde, verre de vase! Un duel? En pleine digestion? C'est pas prudent, ça? Je m'en occupe. Elle a le dessus sur Danaël. Faut dire qu'elle est plutôt douée. On va voir. Oui. Bien joué. Trop facile. Tiens bon, Danaël. Oups. Bravo, Rookie. Tu m'as encore battu. Les amis, je vous présente ma petite cousine chérie, Rookie Bolbao. Salut. Salut, Rookie. Hey, salut. Bonjour. Enchantée. Ah, Danaël, j'ai vraiment cru que tu étais tombée sur plus fort que toi. Non, depuis que je suis petite, Dani me laisse toujours gagner. Oh, c'est trop mignon, Dani. Mais comment peut-elle progresser si tu lui facilites toujours les choses? Ben justement, j'ai terminé ma formation d'épéiste et je viens de m'inscrire au tournoi de Tarasque. Waouh, c'est un tournoi réputé. Mais là, tu sais, personne ne te laissera gagner. Dis, tu t'inscris aussi, Dani? Oh. T'avais promis que tu participerais avec moi à mon premier tournoi. C'est que, tu sais, je ne voyage pas seule. Allez, s'il te plaît, Dani. Bah ne t'inquiète pas, Dani. On fera comme d'habitude. On vient, on gagne et on s'en va. Bon, d'accord. Oh, merci. Il y a un tournoi à Tarasque tous les ans pour fêter la chute de la sorcière Reptila et de son armée de dragons. D'accord. Merci, Razia. Je comprends mieux toutes ces sculptures. Mais non, Jadina, ce ne sont pas des sculptures. C'est le Khan de Tarasque qui a sauvé la ville en statuant les dragons avec une amulette de pouvoir. Tu veux dire que ce sont de vrais dragons? Bof, ce ne sont jamais que de gros lézards. Bonjour, l'angoisse. T'as raison, Griff. Pas de quoi en faire un plat. Quoique... Miam. Ça a quand même été un sacré combat. Et après la fuite de Reptila, le Khan est devenu une légende vivante. Les combattants s'affronteront en duel jusqu'à ce qu'il ne reste que les deux meilleurs d'entre eux. Le tournoi de Tarasque honore les guerriers les plus talentueux, courageux et tenaces. Alors montrez-vous digne du Khan de Tarasque, guerrier. Vainqueur du quatrième combat, Danaël. Et pour Danaël et Rookie, ce n'est pas un tournoi, c'est une petite promenade de santé. Vainqueur du cinquième combat, Rookie. Soutenir les copains. Mais il y a quelqu'un qui sent la citronnelle là. Oh. Ça me met les narines à l'envers. Le chevalier Danaël et l'épéiste Rookie. Cthulhu, feu ta gagne. Tia, Ia.
maintenant, à toi de jouer! Eh ben, on dirait que Rookie a sa première fan. Regardez! Pour la finale, une mécène me confie une super épée! Hein? Je vous présente... Zataï! Tout un programme! Félicitations, Rookie! C'est une belle lame! Ouais, si on aime bien les fioritures! Merci! Oh là là! On y est! C'est la finale! J'espère que tu es prête, car cette fois-ci, je ne te laisserai pas gagner! Moi non plus! Le combat continuera jusqu'à l'abandon de l'un des finalistes! Quiconque interrompra le combat sera châtié! Je rappelle que, honneur suprême, le vainqueur recevra le prix des mains du Khan en personne! Rookie, Danaël, que le meilleur gagne! Quelque chose ne va pas? Tu vas gagner ce combat. Allez, Rookie! Il va lancer sa prochaine attaque par la gauche. La botte de Rugen. Impressionnant! Rien de cassé? Bravo! Tu connais la botte de Rugen? Évidemment, c'est un classique des champs de bataille. Zataï? Eh oui, je suis la fine lame la plus talentueuse de la région. Alors ça, c'est dingue! Trop prévisible, ça! Si tu veux remporter cette finale, laisse-moi te conseiller. Ça va, Rookie? Tu fatigues déjà? Attention! Il va tenter l'esquive de Humperdinck! Chut! Je n'ai pas besoin de tes conseils! Petite sotte! Je te l'avais dit! Maintenant, utilise la botte du faucon retourné! Oh ben ça alors! Ça va, Danny? Tu fatigues déjà? Mais qu'est-ce que tu attends? Il est désarmé! Vas-y! Je t'ai dit de te taire! Et puis ce serait déloyal! Tu veux gagner ce tournoi, oui ou non? Épée d'or, à moi! Bon, ça suffit! Je n'ai pas que ça à faire, moi! Non! Arrête ça tout de suite! Arrête! Rookie, ça va? Ça taille! Stop, s'il te plaît! Non! Zataï, s'il te plaît! Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais c'est qu'elle va finir par le blesser. Rookie, qu'est-ce qui se passe? Mon épée! C'est mon épée qui me contrôle! Oh, je n'arrive pas à la lâcher! Quoi? Ah! Mais tais-toi donc, maudite humaine! Ouf! Sauvé par le gong. Ça va aller, Danaël? Qu'est-ce qui se passe? Et l'épée? L'épée contrôle Rookie. Zataï! S'il te plaît, laisse-moi faire! Je ne veux pas blesser Danaël! Et voilà! Aidez les gens et ils ne sont jamais contents! Allez, la limace! Maintenant, échauffe-toi! Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est si grave que ça si Rookie a une épée qui l'aide un petit peu? Toi aussi, tu as une épée magique. Certain. T'es sérieux, là? T'as une meilleure idée? Moi, je dis qu'on improvise. J'immobilise Rookie et vous, vous lui faites lâcher l'épée de force. Non! Les archers tireront sur quiconque interviendra.
Et Griff n'a pas complètement tort. Les méthodes de l'épée sont inquiétantes, mais c'est peut-être juste pour aider Rookie à gagner le tournoi. Tant qu'on n'en sait pas plus. La mécène qui a donné l'épée à Rookie, elle, elle doit savoir si Zatai est dangereuse ou pas. On s'en occupe. Ça empeste la citronnelle! C'est par là! Les égouts! Voilà la planque de la mécène de Rookie. Elle ne fait pas que se cacher. Regardez. Elle prépare un rituel. Eh bien, elle doit beaucoup tenir à ce que Rookie gagne. Non, c'est un rituel très puissant. Elle a dû mettre des années à réunir tous ses ingrédients. Regardez, encyclopédie des armes rares, maudites et magiques. Et il parle de l'épée là-dedans. Alors, est-ce Salagiole de Mandor, super canif du mal. Ah, Zatai la maléfique. Zatai est une épée assassin millénaire. Comme un parasite, elle peut prendre le contrôle de son porteur pour remplir la mission qui lui est confiée. Zatai utilise donc Rookie pour tuer qui? Danaël? Son porteur ne peut lâcher la garde de Zatai que lorsque la mission a été accomplie ou bien à sa mort. On va pas faire de mal à la famille de Danaël tout de même. Attendez. La mission peut être annulée si Zatai est rengainée dans son fourreau. C'est la mécène qui l'a gardée. Il faut absolument lui mettre la main dessus. Oh non! Elle veut réveiller les dragons. Ça veut dire que... Reptila la sorcière est de retour. Chimie et moi, on part à la recherche de cette Reptila. Griff et Razia, allez prévenir le Khan. Tarrasque est en grand danger. Pour la dernière fois, personne n'approche le Khan. Alors fichez le camp. Quelque chose me dit que c'est par là que ça se passe. Pourquoi c'est pas un bain de pétales de rose pour une fois? Hey, on est des héroïnes, oui ou non, princesse? Merde! Tu tiens le coup, Danaël? Franchement, j'envisage d'abandonner. Après tout, si Zatai veut que Rookie gagne, autant lui donner ce qu'elle veut. Surtout pas! Sinon Tarrasque sera anéanti. Comment ça? Je te la fais courte. La méchante magicienne Reptila est de retour et veut libérer ses dragons chéris. Elle a lancé un méga rituel, mais pour qu'il marche, il faut casser l'amulette qui a permis au Khan de les statufier. Le Khan porte l'amulette sur lui, mais seul le vainqueur du tournoi peut l'approcher. Tu captes le truc? C'est ça, la mission de Zatai. Remporter le tournoi pour approcher le Khan et craque l'amulette. Et là, toutes les statues redeviendront des dragons et ce sera un vrai feu de joie. On a essayé de prévenir le Khan, mais... Surtout pas! Le Khan de Tarrasque ne prendra aucun risque. S'il apprend que Rookie est sous l'emprise de Reptila, il s'en débarrassera. Retrouvez Reptila. Moi, je vais tenter de détruire Zatai. Légendaire, en avant! Bâton aigle, luminasse! Ah! Reptila, je suis coincée! Vous arrivez trop tard! Ma vengeance est en marche! Arrête ton cirque et donne-nous le fourreau! J'ai passé ma vie à chercher les ingrédients du rituel pour retrouver Zatai. Vous croyez vraiment que je vais abandonner comme ça? Et si on demande poliment? Venez chercher le fourreau, si vous l'osez. Là, le fourreau! Ça sent le piège. Où est Reptila?
Je commande enfin les dragons. Oh oh, ça sent roussi. Sois prête! Fusion élémentaire! On n'est pas déjà passé par là? Chut, c'était quoi? Ça sent cramé. Courez! Courez! Mais c'est quoi ce truc? Reptila a réussi son rituel? Et pas qu'un peu! Ce truc, c'est Reptila! Elle peut se transformer en dragon! Balèze! Griff, apporte le fourreau à Danaël! Nous, on s'occupe de Reptila! Sauve. Enchanté, Danaël. Moi, c'est Zatai. Et on a une mission à remplir, tous les deux. Rookie, il faut que t'abandonnes. Jamais. Rookie, tu es libre! Abandonne le combat, vite! Khan! Je suis sous l'emprise de Zatai la Maléfique! Reptila est de retour et veut vous faire assassiner! Reptila? Impossible! Archer! Préparez-vous à tirer! Danny! Non! Ce n'est pas très malin de se sacrifier, Danaël! Au contraire! Rookie, pousse-toi! C'est le seul moyen d'en finir avec cette fichue épée! Non! Attendez! J'ai le fourreau! Rookie, rengaine sa taille! Ça va pas, la tête? Oh. Hein? Non! Non! C'est pas du jeu! Les carottes sont cuites. Mes amis, Tarasque vous doit une fière chandelle. Reptila est en route pour la prison Barek, et je vous assure qu'on ne reverra plus jamais Zatai. Tant mieux. Quelle horrible épée. Oh, je l'avais dit qu'elle était moche. Chevalier, vous avez été brave. Je vous déclare tous les deux vainqueurs ex aequo du tournoi de Tarasque. Quel dommage que Zatai ait tout gâché. On ne saura jamais si je peux te battre ou pas. Bah, un jour tu l'auras ta revanche. C'est vrai? Quand ça? Demain?
Attends, mais je... Sinon, on pourrait s'y mettre tout de suite. Allez, s'il te plaît, Dani, dis oui. Ben, ne t'inquiète pas, Dani. Pendant qu'on est là, tu te bats, tu gagnes et on s'en va. D'accord.